Action. Alors, on se dirige vers le petit déjeuner. Il est 8h30, plus ou moins 8h20. Et voilà, on va prendre le petit déjeuner. Bon, ici, vous avez un peu des fruits. Encore des fruits. Ça va, handicap ? Voici un peu des trucs chauds. Écoute, ça a l'air pas mal. Un petit déjeuner, enfin pour commencer, hein, de costauds, de gaillards. Mon assiette est vide, je vais prendre un tout petit peu en commande un peu. Je deviens super bien, on dirait que je suis en plein régime, mais des petites portions que je prends, incroyable. Ah, le matin, il faut manger. Hein. Le matin, il faut manger, c'est primordial. Alors, je vais vous dire un scoop, parce que bon, le matin, c'est toujours les commérages et les machins comme ça dans les hôtels. Eh bien, figurez-vous que les restaurants d'hier avec le barbecue que j'ai fait là, ben c'est la même famille d'ici quoi. Donc ils sont famille proche, je ne sais pas tout quoi, mais ils sont famille. Et ils ont eu un coup de fil hier et tout. Ils ont dit, ah, est-ce que vous n'avez pas Eric 5.0? Oui, il est chez nous, Prévoyez de la vaisselle, Mais je vous mens pas, regardez bien. Voilà ma table et juste à côté, ils ont mis une pile d'assiettes. Incroyable. Where in Myanmar? Bagan? No? Ragon? Bagan, mais ça y est. Ragon? Bagan. Ah, ok. Elle a mis du tinaka sur son visage. En fait, elle est birman, quoi. Les amis, vous aurez compris que il n'y aura pas de drone ici. Ça, c'est sûr et certain. Ceux qui veulent voir le nom, c'est au Wat Chiang Yuen. Alors, c'est patrimoine de l'UNESCO encore. Hein. Ah, il y a même la police qui filme. Ouais, il y a la police qui a une caméra là. Mais c'est lui ou c'est pas lui? Oui, mais c'est lui. Au début, j'étais perplexe. Je dis, c'est pas possible, la Thaïlande, c'est un énorme pays. Et je sais que mon pote Marc, il a été là, il y a quelques temps, là, en Thaïlande. Il avait un copain. Alors, je voyais lui, je dis, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Et finalement, j'ai été lui demander, quoi. Marc, where are you? Voilà. Marc. Where are you? Voilà. Je savais pas que ça existait. Et je savais pas que ça existait. Alors maintenant, on se trouve au Wat Jet. Yacht ou un truc comme ça, enfin vous le voyez. C'est la première fois aussi que je vois ça. C'est qui mettent un filet là pour éviter que les oiseaux rentrent dedans quoi. Donc première fois que je vois ça. Aujourd'hui ça va être la journée de temple. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez tous les voir. J'en ai sélectionné quelques-uns aussi pour faire un tour en moto. Ici vous êtes à la fameuse place
tour de l'horloge. Il y a des trucs qui te provoquent comme ça. Là, il y a un truc qui me provoque, je te jure. Et en plus, il faut pas le truc qui a là. Je te montre. Oh, j'ai trop envie, je te jure. Moi, je crois que tu peux, hein. Please. Sauf les bang double. Ah, faut aller doucement. Mais tu vois qu'on peut. Alors, il y a aussi des méchants en Thaïlande, bien sûr. Et là, en fait, on est à la prison de Chiang Rai. Donc, c'est des grands bâtiments. Je présume qu'ils sont à plusieurs dans une cellule. Et voilà quoi. Mais ça, on ne s'est pas visité, bien sûr. Hein. Mais c'est ici, la prison de Chiang Rai. Elle est assez grande. Hein. Elle est assez grande, elle va jusqu'au bout, là. Je me suis encore un peu approché. Là, vous voyez, il y a le mirador sur un coin. Mais elle est hyper grande, cette prison. J'ose quand même, enfin j'ose pas. Mais ici je suis à l'entrée de la prison. Et là vous voyez encore un mirador sur le côté. Mais voilà, j'espère rentrer. Alors il y en a certains qui vont dire oui, c'est pas bien des gens, des touristes qui sont sur le dos d'un éléphant. Je vais pas refaire le montre non plus. Hein. Donc enfin il fallait quand même le filmer. Et voilà. Alors ici on est dans un camp d'éléphants où les touristes peuvent monter dessus parce que vous voyez qu'il y a les paniers. Comme je vous ai expliqué là tantôt, je ne vais pas refaire le monte. Hein. C'est comme ça, hein. Écoute, je peux rien y faire. Ouais, ils sont enchaînés et tout. C'est triste, je sais bien, mais... Je vais pas les libérer non plus, hein. Je vais pas détacher la chaîne. Hein. Ah, c'est triste, écoute. C'est des vieux éléphants, on dirait. Hein. Je m'y connais pas trop, mais... Ouais. Je reste pas longtemps ici, parce que bon, voilà, c'est pas top non plus de voir ça, des éléphants enchaînés. Mais comme je vous ai déjà expliqué, je peux rien y faire, quoi. Hein. Je peux pas prendre une disqueuse ou une pince et les libérer. Allez, fuyez fou. Je sais m'arrêter tous les deux minutes. Hein. Tellement que c'est beau. Bon, je sais pas si ça se voit super bien, mais il y a des petites maisons là où il y a des gens qui habitent. Mais vraiment, à nulle part ils habitent.
Si, ils habitent là, mais... T'es vraiment perdu de chez perdu ici. Alors ici, on est dans des champs de thé. Là, il y a les ouvrières qui se reposent. Je présume une petite pause, là. Hein. Je vais pas dire une pause café, parce que c'est une plantation thé, ce serait un peu méchant, mais... Là, quand une petite pause de temps en temps, ça fait pas du tort. Honnêtement, je prends des routes, mais défoncées parfois, et quand même parfois dangereux, parce que ça... Il n'y a pas une bonne accroche, quoi. Hein, mais les vues... Là, ils sont en train de bouler des trucs, là. Et je suis tout seul, hein. Je suis tout seul. Il n'y a aucune voiture. Il y a des chantiers, là, sur la montagne, même. En terrasse. Pas une terrasse, hein, ils appellent ça en terrasse. Mais sinon, vous êtes vraiment... ou vous me croyez pas, c'était plutôt ça. Je vis un rêve, mais incroyable, amazing. Allez hop, je me fais un petit kiff, je me fais un petit trek ici dans la jungle, mais des bambous, mais géants de chez géants. Pouah, j'avais dit dans une de mes vidéos, j'allais plus faire le fou, mais en fait ici je suis obligé, parce que là il y a une échelle, il y a un truc à un bambou. Je suis obligé là. On est au bout de l'échelle. Et ce serait con que vous n'allez pas sur l'échelle. Hein. Hop, allez hop, on y est. Je suis trop content, heureux, satisfait d'avoir de nouveau accompli un truc pareil. Mais un truc de dingue. Dur à venir jusqu'ici en scooter, mais ça vaut vraiment le coup. Alors je vais essayer de monter encore plus haut. À mon avis, on aura un meilleur point de vue. C'est une expédition, je te jure. Et ça me fait plaisir. Un peu le souffle. Et là, j'ai de nouveau pas pris d'eau avec. Ouh, c'est rock'n'roll, hein. Honnêtement, c'est une aventure. Je te jure, j'adore. Regardez, hein. Un petit pont en bambou. Enfin, le bambou est solide, hein, les gars. Quand même, faire super gaffe où tu mets tes pieds. Oh my god! Ah! Oh.
froid. Et t'as le froid, hein. Waouh. Les amis, je vis un truc de dingue. Je le répète, mais c'est un truc de dingue. Je suis heureux, mais mort, incroyable. Bien sûr, tout le monde connaît, c'est un petit foot court. Là, je suis au foot court. Et vous avez une carte là que vous chargez. Et cette fois-ci, j'ai pris deux plats. Bah, j'ai pris celui-ci avec du riz et du truc. Et j'ai pris une petite soupe. Voilà, voilà, bon appétit. Arrêté au bord de la route, pourquoi? Pour aller quelque part où, chaque année quand je suis en Asie, et je vais même plusieurs fois là-bas, je dois y aller parce qu'il y en a un ici, dans cette région, donc automatiquement j'y vais. Il y en a certains qui vont déjà le savoir où je vais, mais voilà, on y va. Non, ce n'est pas au McDonald's que je vais. Non. Vous avez faux, c'est pas McDonald's. Ça, c'est une institution. Ah, moi, j'adore Swanzen. Ça, c'est mon petit truc ici. On va y aller. Alors, la jeune fille, elle me dit, voilà, tout ça, c'est une nouvelle série. Et plus, ceci aussi, c'est tout nouveau, monsieur, si vous voulez essayer. Donc, on va un peu voir. Il y a les fameux classiques. Honnêtement, c'est des classes, mais de dingue ici. Bien sûr, il y a toujours un problème. Le problème, quand vous venez chez Swanzen, et je vous jure, c'est le gros problème, c'est qu'est-ce que je vais prendre? Il y a tellement de choix, tellement de possibilités, et ils sont tous, mais l'un plus joli que l'autre, quoi. Donc voilà, je voulais même prendre les trucs de fraises. Ça donnait envie, mais je suis quand même parti sur une autre idée qui m'a déjà en tête un peu. Donc voilà quoi, c'est l'heure de Swanzen, mais c'est aussi l'heure de quoi? Oh là là! Oh là là! Il y a encore eu de nouveau des Tipeee, et ça m'a fait super plaisir. Premièrement, vos messages que vous accompagnez avec les Tipeee. Le petit pourboire que je reçois pour manger une petite glace ou un petit repas, ça fait aussi chouette. Et voilà, la belle glace, ouais, elle est bien, hein? Oh, une grande en plus. Une tuerie cette glace. Et alors aussi, une petite info, vous recevez toujours un verre d'eau avec sans problème, quoi. Je tiens à remercier tous les tipeurs. Oui, je suis à l'extérieur du shopping parce qu'il y avait une petite fille qui commençait à pleurer quand je voulais parler. Donc, je me dis à moi-même, va à l'extérieur, ce sera beaucoup mieux. Voilà, je tiens à remercier plusieurs personnes. Premièrement, André et Erna, un tout grand merci. Chaque année, chaque saison, vous faites des tips. Ensuite, j'ai Anne et Dan, son mari, aussi un tip. Et eux, ils l'ont fait via la banque. Ça a un peu duré parce que c'était juste avant le week-end, mais tu vois, Anne, aucun problème. Je te souhaite en même temps des très belles vacances au Sri Lanka, un pays que je n'ai pas encore fait. Et le dernier tipeur, je te dis encore un grand merci, et c'est Grégory. Grégory, un tout grand merci à toi. En plus, j'adore tes messages. Chaque fois quand tu fais un message, c'est sincère et des très beaux messages, ça je dois dire aussi. Et sachez les tipeurs, quand vous me donnez un tip, je le vois via email, donc on a une notification via email. Et quand j'ai ça le matin, je roule et puis ça me travaille dans nos trucs. Allez, ils sont quand même gentils, ils me donnent un coup de main, ceci, cela. Franchement, je fais que penser à vous alors, quoi. Un tout grand merci à tous les tipeurs aujourd'hui et je vous fais un énorme why. C'est ici que ce vlog se termine, mais j'ai encore 2-3 petites choses à dire. Enfin, 2-3 petites choses, ça va encore durer 5 minutes. Mais j'ai encore eu une notification et je vous mets le jingle maintenant. Attention! J'ai eu un metal tip de Joël, une amie. Joël, un tout grand merci à toi pour ton geste. Honnêtement, c'est énorme ce que vous faites. Metal tip, c'est un level plus haut. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Comme ça, tu le sais, Joël. Demain, je pars à Shanghai. Non, pas, je suis à Shanghai, mais je suis complètement fatigué. Demain, je pars à Chiang Mai. Ouais, c'est ça, Chiang Mai. C'est dur à dire, mais bon, Chiang Mai, hein, voilà. Et la première nuit, c'est toi qui me l'offres. Donc, je pourrais arracher les rideaux, casser les draps. De toute manière, la réservation sera sur ton nom. Non, je rigole, mais c'est toi qui m'offres cette réservation. Et je te fais un grand why, Joël. Mais honnêtement, je suis trop content. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Voilà, Marc, j'espère que la petite blague... J'en rigole encore.
J'espère que la petite blague était bien. Simplement pour dire, l'oiseau, il s'excite aussi là. L'oiseau. J'espère que tu l'as pas mal pris, mais j'en suis sûr que tu l'as pas mal pris. Et je tiens à préciser à tous les abonnés et à tous mes amis aussi que Marc n'est pas un homosexuel. Voilà, comme ça les choses sont claires. Tu es un homosexuel refoulé. Voilà, ce fut encore une fois une journée pleine d'émotions. J'ai vu des belles choses. Honnêtement, j'ai kiffé. Je touche du bois, je touche ma tête. Le scooter n'a encore rien. Il n'y a pas de petites griffes, je regarde toujours, pourtant je prends des trucs, bon, il y a plein de poussière, il est tout seul. Mais à mon avis, quand ils vont nettoyer, il n'y aura rien quoi. Enfin, j'espère, Inch'Allah, comme ils disent. Voilà. J'ai encore un petit jingle pour vous. Le conseil du jour, apprendre au second degré. Plusieurs petits tuyaux, conseils que je pourrais vous donner. Quand vous faites une location de scooter, bon, essayez d'abord un peu négocier, pas trop non plus, parce que bon, voilà, si c'est pour gagner 50 centimes sur une journée, autant rien faire, quoi. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des photos partout, autour, même une mini vidéo. Donc, vous filmez autour. Là, c'est toujours une preuve avec la date dans votre GSM. Seconde chose, mais qui est très important, demandez d'abord d'essayer le scooter. Donc, voir si les freins vont bien, parce que c'est ça le plus important, les freins vont bien. Regardez le kilométrage. Moi, c'était un tout nouveau, il avait 4000 km. Les prix sont plus ou moins partout à peu près pareil. Va y se mettre d'accord. Donc, faut renégocier. Vous savez, juste négocier si vous prenez beaucoup de jours. Comme moi, j'ai fait, j'ai pris 10 jours. Seconde chose, ce que moi je vous conseille, mais alors vivement, c'est si vous prenez un scooter, essayez d'avoir l'USB. La plupart ont maintenant USB, c'est pour charger votre truc, hein, pas pour fumer une cigarette, c'est quoi. Mais c'est vraiment pour charger votre GSM pendant que vous roulez. C'est vraiment très important, surtout quand vous faites un grand road trip comme moi j'ai fait. Seconde chose, quand vous voyez sur votre GPS, il y a 100 km ou 180 km, ne croyez pas que ça va boum, comme ça, quoi. Hein. C'est vraiment comme ça. C'est dans les montagnes, ça monte. Hein. C'est incroyable. Donc, parfois, 100 km, vous allez mettre 3 heures et que normalement, en scooter, vous faites ça sur 1h30. Donc, regardez toujours bien le temps. Parfois, c'est doublé le temps. Ce que votre GPS dit, parfois, c'est doublé, quoi. Et alors, ça, c'est mon avis à moi. Mais bon, ça garde encore mon truc à moi. Partez très tôt le matin, quoi. Moi, je dis toujours, partez très tôt le matin. Comme ça, vous ne roulez pas dans la nuit ou quand il fait sombre. Parce que dans les montagnes, il n'y a pas de lumière. Et les routes sont parfois défoncées. Il y a des routes qui sont bien, mais il y a des routes qui sont défoncées aussi. Donc ça, c'était un peu tous les conseils que moi, je pouvais vous donner. Et alors, peut-être le dernier, parce que je vois le scooter là. Essayez d'avoir votre propre attache de GSM. La plupart des loueurs, ils en ont. Donc, je vais quand même vous montrer ça. Donc, moi, au fait, j'avais celui-ci. Donc, vous le glissez comme ça dedans, mais je trouvais qu'il n'était pas top. Donc, moi, j'ai mon SP Connect. Et alors, comme je vous disais, voilà, vous prévoyez un petit câble. Là, il y a le USB à l'intérieur. Et voilà, quoi. Donc, ça, il faut vraiment faire, quoi. Et alors, encore le dernier conseil. Mais vous avez combien de conseils je vais donner? Non, mais voilà, un instant. Voilà, j'enlève ça. Voilà, donc je le mettais très loin. Voilà, le permis international. Essayez de l'avoir. Moi, j'ai le permis moto, donc je peux rouler avec toutes les cylindrées. Mais essayez quand même d'avoir votre permis international, c'est quand même mieux. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de contrôle. Mais sachez que quand vous allez aller à Phuket ou Krabi, 9 chances sur 10, vous allez avoir des contrôles, quoi. C'est vraiment le truc pour... Et Chiang Mai, peut-être, si j'ai roulé pendant 2 jours là-bas, je pense que je vais quand même me faire contrôler. Mais bon, je suis entièrement en ordre, quoi. Voilà, moi, je pense que j'ai tout dit, parce que ça devient très, très, très long. Mes conseils, encore un grand merci à tous les tipeurs d'aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup, donc je vous remercie tous. J'ai bien mangé, je dormirai bien demain gratos à l'hôtel, grâce à Joël. Un tout grand merci à vous. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Non, je dois encore dire un truc. Wow, tu commences. Je dois encore dire un truc. Demain, longue route. Cette fois-ci, j'ai regardé. Il y a à peu près 186 km.
Bon, comptez un peu plus large, parce que si je vais voir un truc sur le côté, ça va être un peu plus long. Mais laissons-nous dire un petit 200 km. Mais voilà quoi, c'est juste maintenant ligne droite. Enfin, ligne droite, bon, ça va un peu comme ça. Mais de Shanghai à Chiang Mai, il y a à peu près 186 km. Donc, ce sera une longue journée. On prendra d'abord le petit déjeuner. J'ai bien pris des couleurs aujourd'hui. Ça sera en roulant avec les casques. Voilà, je vous embrasse tous et comme d'hab, Non, je dois encore dire un truc. Ouais, mais Rick, attends, je mets un pouce. Voilà, il y a mon franc qui est tombé. C'est pour ça que j'ai mis pouce. Mais il y a mon franc qui est retombé. Voilà. Comme d'hab, prenez soin de vous. Et alors, une phrase qu'il y a quelqu'un qui a dit. Monsieur Grégory, il a dit. Attention, j'essaie de retenir. On meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Et comme d'hab, bisous de moi. Marc, where are you? Voilà. Marc, where are you? Voilà. Si, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. C'est tout.